Est-ce que je peux vous aider à vous retrouver dans la ville ? Voilà le Havre en 1571. La rue de Paris est devenue la rue Saint-Michel, une longue artère pavée qui donne sur la mer et sur la tour François Ier. L'exposition proposée par les archives municipales retrace 70 ans d'évolution de la Porte Océane, de sa création par François Ier en 1517 jusqu'à sa prise par les Anglais en 1572. L'idée était aussi de présenter cette volonté royale d'une fondation d'un port et d'une ville à destination non seulement de la protection du royaume contre les Anglais, puisque le port faisait verrou à l'entrée de l'estuaire de la Seine, mais aussi un lieu à destination de l'exploration des Outre-mer. François Ier crée un port, il fait tout pour peupler sa ville. Il faut des hommes pour travailler à bord des bateaux, des commerçants pour approvisionner les navires. Lettres patentes d'exonération de taxes, frises en pierre retraçant les voyages outre-Atlantique des marins. Au fil de l'exposition, le visiteur découvre ce qu'était l'organisation de la ville au XVIe siècle. Des pièces rares qui n'étaient pas sorties des archives depuis plus de 100 ans, comme ces plaques en bronze ou ces décors intérieurs de l'ancien hôtel de ville détruit par les bombardements, une plongée dans le passé de la Porte Océane qui a séduit le public. Je connaissais un peu l'histoire du Havre avec François Ier et ça permettait de découvrir un peu plus de choses sur l'histoire de la ville. Tout l'historique de la fondation, de l'extension de la ville du Havre avec les différents usages des bassins en fait, l'activité portuaire, commerciale. Je trouve que c'est ça qui est vraiment plus intéressant. Cette rétrospective sur la ville du Havre est à découvrir jusqu'au 17 septembre au Fort de Tourneville.